On se retrouve tout de suite pour le début du match ici à Santiago Bernabéu. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid depuis le stade Santiago Bernabéu. Et c'est bien moi, Hervé Matou, qui sera à vos côtés pour vous commenter ce match que j'espère aussi enlever que d'habitude. Il y a une place en finale à aller chercher aujourd'hui. C'est tout l'enjeu de cette demi-finale retour. Le Real Madrid affronte l'Atlético de Madrid. L'équipe visiteuse qui se présente avec une courte avance acquise au match aller. Ah, qui sait que ça ne va pas être évident, mais qui peut déjà quand même s'appuyer là-dessus. Voyez apparaître la composition du Real Madrid. Thibaut Courtois sera dans les buts. Luka Modric sera associé à Carlos Casemiro au milieu. En attaque, un seul joueur, Karim Benzema. Voici la composition de l'Atlético de Madrid. Dans les buts, Jan Oblak. Stefan Savic sera en défense avec José María Jiménez pour partenaire. Et devant, Antoine Griezmann sera en charge d'animer l'attaque avec Luis Suarez. Match qui débute avec l'engagement de l'Atlético Madrid. Ouais, bien joué, parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Antoine Griezmann, la bonne récupération de David Alaba. Toni Kroos, Karim Benzema, voilà, passe complètement manquée, c'est cadeau. André Correa. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Mauvais dégagement, mal fait. Benzema. Pour Benzema. Toni Kroos. Le bon ballon en profondeur. Et ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, elle gagne son duel et récupère le ballon. Alors, le ballon qui est dégagé. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ça sort en touche. Toni Kroos. Ouais, bonne intervention.
Raynor le dit. Incroyable, l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois. Excellent corner, frappé par Coquet. Corner dégagé par la défense. Il y a pas mal de monde pour le presser. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Luis Suarez. Ah, cette faute qui donne un coup franc dangereux. Ah, le coup franc très largement hors cadre. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est vraiment raté. Hein. Allez, par-dessus, pas mal. Toni Kroos. Avec Marco Asensio. Et il a perdu son ballon. Raynor le dit. Griezmann. Ça presse haut, attention à ce ballon. Le ballon qui change de position. Luis Suarez solide. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir, c'est donc un corner. Ça va être compliqué. Marco Asensio. Luka Modric. Ah, ils perdent ce ballon. Ouais, lumineuse cette passe. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Allez, le corner de Coquet. Corner qui ne m'a rien donné. Le tir. Ah, ça passe franchement à côté. Hein. Même pas de frisson pour le gardien. Fernand Mendy. Par Benzema qui perd ce ballon. Antoine Griezmann. Ok. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Toni Kroos. La droite est assez libre sur le côté pour Vinicius Junior. Allez, on est en bonne position là pour centrer. La balle est sortie, le gardien va pouvoir dégager. La fin du temps réglementaire est seulement une minute de rajouter par l'arbitre. Un mal Correa. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Coup d'envoi de la seconde période dans ce match à Bernabéu. Vinicius sur le côté, personne devant lui. Benzema. Vinicius Junior.
Yann Oblak, sans problème. Renan Lodi. Robert Militao est là pour intercepter. Luka Modric. Alors peut-être une belle occasion pour Benzema. Suarez qui perd un peu bêtement ce ballon rapidement. Oh là, Benzema dans ses œuvres. Et voilà le premier but dans ce match. Il est inscrit par Luka Modric. Qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Et derrière, il a tout le temps d'ajuster le gardien de la tête sans même avoir à sauter. Et ce but qui ramène le score à 2 buts partout sur l'ensemble des 2 matchs. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Pour qui ce centre ? Ouais, la volée est magnifique, mais qui n'est pas cadré, hélas. C'était beau. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. Griezmann. Il fallait intervenir urgemment. On a atteint l'heure de jeu. Benzema. Avec Marco Asensio. Asensio. Ah, bien joué Asensio qui poursuit son effort. C'est parti vers le deuxième poteau. Ouais, tranquillement, pas de problème sur ce centre. Suarez qui perd bêtement ce ballon, qui donne à l'adversaire. Karim Benzema qui avance balle au pied. Ouais, très bonne intervention défensive. Atletico qui perd encore un ballon. Il y va tout seul. Oh, but du Real! On voit ces images, ce bel exploit solitaire face à une défense un petit peu aux abois. C'est magnifique. Assister à un changement dans cette équipe. Si on regarde sur le total des 2 matchs, eh bien le score passe à 3-2. On a le Correa. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Griezmann. Non, sans problème pour le gardien. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Premier sur ce corner. Antoine Griezmann. Oh, le but, oui. Et là, la pression des défenseurs. Il arrive à trouver le chemin des filets.
Quelle facilité dans le maniement de ce ballon. Personne n'a pu l'empêcher de marquer. Avec ce but, bien ça fait maintenant 3 partout sur l'ensemble des deux matchs. Oui, ça s'est donné comme il faut. C'est parti dans la surface. Alors, le ballon qui est dégagé. On cherche la faille dans la défense adverse. Benzema qui centre. Oh, la mauvaise relance. Oh, la faute, oui, pas correct ce tacle et l'arbitre à mon avis va le sanctionner. Ah, c'est un moment décisif, hein. Il ne reste plus beaucoup de temps. Elle a passé. Était dangereuse, mais la défense s'est montrée vigilante. Mendy, il n'y a pas grand monde pour contrarier le Real Madrid sur les ailes. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Ah, la vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. Allez, ils attaquent, c'est le match qui se joue. Et l'arbitre qui laisse l'avantage pour le Real. Modric. Avec Casemiro. Eden Hazard. Ouais, c'est bon ce qu'ils font les joueurs du Real. Ouais, cette fois, c'est dans le but qu'on a eu le dernier mot. Ça ne sera pas tout de suite pour le doublé. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. La passe interceptée de Karim Benzema. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Alors ça, c'est un bon ballon pour Renan Lodi. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Llorente. L'arbitre qui met un terme à cette seconde période. Deux équipes toujours à égalité. Il y aura donc prolongation. La première prolongation qui débute. On espère qu'il reste quelques forces aux deux équipes qui ont beaucoup donné. Rodrigo de Paul. Renan Lodi. Hector Herrera. Manuel Correa. Atlético qui perd le ballon. Avantage pour le Real Madrid. Ça joue.
Eden Hazard. Attention à la contre-attaque. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real. Mauvais dégagement, mal fait. Ouais, ça c'est bien vu. La passe pour João Félix. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Ça part bien, action dangereuse. Griezmann. Pas de problème pour le gardien. Allez, re-re-corner. Le ballon dégagé au large. Jiménez. Frappe, elle est bien partie cette balle, mais c'est trop haut. Hazard. Il faut trouver une option disponible. Toni Kroos. Avec Benzema. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. C'est terminé à l'instant pour cette première prolongation. Les deux équipes qui vont changer de côté. Modric qui aimerait bien reprendre ce ballon. Et ballon perdu dans sa propre moitié, attention. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouais, sans aucun danger hein, pour le gardien qui s'empare du ballon. Luka Modric. 8 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Le Real Madrid qui va tout donner sur ce ballon pour tenter de l'emporter dans cette fin de match. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Il va ramener le jeu dans l'axe. Benzema. Oh, l'arrêt de Jan Oblak. Oh, magnifique, il a été décisif au gardien. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ouais, bon arrêt là du gardien qui rassure toute sa défense. Minutes à jouer dans cette deuxième période des prolongations. Le bon ballon en profondeur. L'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner. Bien tiré le corner là. Ah non, c'est mal négocié. Il est dépossédé du ballon. L'arbitre qui met un terme à cette demi-finale retour. C'est une place en finale qui va donc se jouer au tir au but. Oh,
incroyable, l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois. Ça va être le premier tir au but de cette séance. Oh, le poteau! Oh, quel dommage! Oh non, mais c'est pas possible à cette distance! C'est pas possible! Oh, c'est raté! Ouh là là! Alors ça, c'est pas une bonne idée de manquer ce tir au but. Black, oh magnifique! Superbe intervention de Yann Oblak. Oh, c'est raté! C'est repoussé. Allez, il va falloir y aller. Grosse concentration. Penalty réussi. Oh, c'est raté. Oh, c'est raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'arrêt de Yann Oblak. Oh, magnifique. Il a été décisif, le gardien. Oh, c'est raté. Et c'est raté. Tir au but décisif. Surtout, ne pas craquer. Oh, repoussé. Le tir au but est repoussé. Et la course d'élan qui a été bien décodée. Attention, hein, pas de droit à l'erreur. Sinon, on s'en sera terminé. Ouais, dedans, malgré la pression. Beaucoup de pression, bien sûr, sur les épaules du tireur. Oh, que c'est mal tiré! Oh, que c'est mal tiré! La pression est énorme sur ses épaules. Et c'est terminé! L'équipe accède à la finale! Magnifique, ils n'ont pas craqué! Tir au but magistralement transformé. Ah, c'est parfaitement exécuté. On le revoit ralenti ce pénalty. Impossible à aller chercher. Incroyable, l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois.